Et bonsoir Val, bonsoir campagne, c'est un plaisir pour que moi parler avec nous. Salut Marco, salut DGA, GPPC et tout auditeur auditrice. Et moi content de vous retrouver autour dans l'émission ça. Surtout on parler de Gonaïves, côté que je dis à nous avons vraiment gagné en grande, grande manifestation de milliers de monde qui rassemblait pour te justement dans la cité d'indépendance là. Depuis 10h du matin jusqu'à 2h. Côté, le message était clair, eh bien, la démission de Jovenel Moïse, sans diversion et sans condition. Très bien. Qui j'ai ça passé, sénateur? Comment ambiance l'entrée dans Gonaïves? Et vraiment, en premier lieu, nous avons dit que, eh bien, la police fait un travail, que nous avons dit qu'il est professionnel. Côté que nous avons rencontré hier, et nous avons dit que la manifestation, ça a fait là, eh bien, c'est chemise en un pantalon, parce que nous voulons montrer que ville Gonaïves là en entier les camper contre Jovenel. Et nous te disons que il revient à eux-mêmes pour assurer sécurité ce que ont fait. Puisque nous te dit n'a quitté à 10h et bien depuis 9h moi crois que toute base Gonaïves yo te dirigé vers la place d'armes côté déjà te gagne 4 à 5 000 monde qui étaient réunis sur place là et à 10h exactement nous te quitté place d'armes là côté que nous te prend l'avenue des dates. Mon, si la Conde Gonaïves, l'avenue des dates, c'est exactement, je veux dire, la route nationale et, qui passait dans mi-temps Gonaïves, sur une longueur d'environ 3,5 km. Donc, il était emprunté l'avenue des dates en passant de devant le commissariat et retourné par l'avenue Christophe. L'avenue des dates et l'avenue Christophe, c'est deux rues parallèles, mais qui eux-mêmes, ils lient ensemble par Carrefour Turenne. Donc, c'est environ 7 km, l'on prend la place d'armes pour aller faire avenue des dates, 3,5 km, et avenue Christophe, 3,5 km, pour retourner au centre-ville, et puis pour aller faire tout quartier populaire. Yo. Donc, je dis à moi, parce que mon Gonaïves marché sur environ 8 à 9 km, côté que, depuis 10h, et c'est en foule immense, côté que, sous 4 km, où toujours joint le monde, eh bien, l'un derrière l'autre, cap chanté, t'es gagné dans un premier temps animation de bonne, t'es gagné animation de chant, et t'es gagné animation côté du groupe. Donc moi je crois que de 10h jusqu'à 2h que nous-mêmes, nous venons lancer ce message-là sous place Gonaïves, nous marchons environ 9 km, côté que tout le monde est passé bien, pas grand monde justement qui est blessé, pas grand courri qui fait, nous avons occupé la ville là, nous souci et des deux côtés de la route. Ou des joints encore des centaines de monde qui t'a acclamé une foule là et qui t'a dit la même chose, démission sans diversion. Donc, chapeau à la police, chapeau à la ville de Gonaïves qui répond à Moussa que nous t'ai lancé pour nous dire ville Gonaïves la 2 5 décembre. Il y répond et surtout que nous t'ai ouais que nous t'ai gagné au gouvernement exécutif qui la veille, hein, mm-hmm. Les gaspillés comme l'État, environ 1 500 000 gouttes, pour te mettre 30 monde dehors, donc on arrive là. Donc là, ça, nous venons comprendre que légitimité que nous-mêmes dit que nous gagnons pour nous parler, eh bien, dans nos populations, et m'a dit justement, Jovenel Moïse, allez, parce que je dis à vous, parce que non seulement vous voulez, mais le peuple Gonaïves dit que lui-même, lui était attaché à cette démission sans diversion et sans condition. Bien, sénateur Latortu, est-ce qu'on tenait notre leader dans l'opposition qui t'est allé accompagner ou dans la manifestation ça qui t'a fait dans Gonaïves? C'est ça. Faut nous dire qu'il y a plusieurs leaders, premièrement communaux, et tous les leaders de A à H dans le département, dans les 15 communes, les leaders en général étaient présents. La première chose. Tous les leaders de la table de concertation, eux-mêmes qui c'est organisation de la société civile qui lui-même a demandé Jovenel aller, ils étaient présents. Et nous avons les leaders et de l'alternative, le sénateur Sorel Jacette, le sénateur Nenel Kassi, le sénateur Ricard Pierre, nous avons le bureau UDG, nous avons René Timothée, nous avons René Civil, nous avons docteur Chiller Louis d'Or, nous avons le député Exotus. Nous avons gagné docteur Gérald Louis et Louis Gérald Gilles. Mm-hmm. Et en pile notre leader que peut-être Daril,
du secteur démocratique, nous avons gagné rapide l'autre qui était là. Et comme nous, leader, ça a été arrivé depuis la veille au soir, côté que nous avons passé, nous avons veillé au niveau de Raboto et de Jubilé. Et le lendemain, eh bien, c'était la grande foule à l'heure. Deux heures, puisque nous avons pile monde qui t'a retourné pour Prince et nous avons dit qu'à partir de 2 heures, manifestation, nous allons délivrer message là sous président Negraïm, et ceci a été fait. Et 4 heures de manifestation sur 9 kilomètres, il y a bien des gens toujours présents sur une longueur de 4 kilomètres, toujours des monde, et sur la largeur environ de 20 mètres, toujours des monde. Donc, ben, ça sera facile pour la police lui-même. TK, eh bien, fait calcul policier, longue 4 km, c'est 4 000 mètres, largeur c'est 20 mètres, ça fait environ 8 000 mètres carrés, et côté 4 à 5 mètres par mètre carré, puisque foule la débosse, rapidement, on a besoin de combien de monde eh bien, qui était présent dans la manifestation, puisque, eh bien, il était constant, mon yon arrivé juste sous place d'armes, il aurait été, il était tout 10 litres au palais, avant que eux-mêmes mettent la caille. Sénateur Latortu, finalement, qui prochaine étape dans le mouvement? Mobilisation lancée qu'on arrive du 5 décembre au 5 janvier. Parce que nous dit à partir du 5 décembre, et bien qu'on arrive lancée étape ça pour le président le cas démission. Et à partir du 5 janvier, Villa lui-même l'a déclaré. C'est-à-dire que Villa l'a déclaré justement autorité que. Parce que non seulement pas pour connaître Jovenel Moïse, mais ce sera aussi la désobéissance. Et la sens ça, nous lançons appel là pour que l'autre ville nous suive les tout. Parce que c'est inacceptable. Pour que je dis au président, eh bien, nous ne pas accepter, il y a des faire valer. Donc, dans ce sens ça, nous-mêmes haïtiens, nous disons, au lieu de nous marcher, les chines courbées, nous préférons mourir les prises au doux. Et c'est dans ce sens ça que nous-mêmes, message que nous portons, eh bien, nous voulons non seulement Kébil, Rive, Naïve, mais transmettre à toute notre ville. Parce que je vous dis, changer un système, ça m'a dit un pile courage, ça m'a dit un pile détermination. Et nous voyons de temps en temps, justement, les éléments du système, parce que Val, c'est quoi un système? C'est un ensemble d'éléments interroulés. Je vous dis à moi que le président qui est à la tête du système, il a visé le Belgrade, puis l'élément économique, social, politique, qu'il y a avec le Kivle Kembelou. Donc, on va attaquer le Belgrade, puis l'autre élément, on va attaquer. Et l'élément, ça, de temps en temps, il a coulé pour lever, puis pour reprendre souffle. Donc, je dis, hein, si c'est Jovenel seulement, vous avez aller, le pas facile. Mais voyons un système pour que vous remplacez le l'autre système, il est extrêmement difficile. Et c'est pour ça nous dit, on a fait bataille là, mais bataille là, elle est belle. Bataille là, moi, je t'ai dit, les gros objectifs qui viables et qui fiables, parce que nous dit, au lieu que pour la végéter dans le système, côté, c'est on le consacre la qu'à manger, on le regarde à l'école, à nos batailles pour nous prendre pour nous essayer un système qui est équitable, plus ou moins équitable pour tout le monde. Donc, je dis à Gonaïve, qui est toujours à l'avant-garde, Gonaïve est une ville militante, comme Petit Gouave, comme beaucoup d'autres villes, qui est à l'avant-garde, nous dit, dans le moment ça, eh bien, nous lancer flambeau de mobilisation, nous allons lancer le Saint-Marc, nous allons nous lancer de l'autre côté, et moi, je crois que demain, pour manifestation, que l'alternative va lancer, et qui va continuer devant l'ambassade américaine, pour que, même parole la répéter, parce que je vous dis, moi, je crois que la lutte est longue, la lutte est difficile, mais la lutte est bonne. Mais, sénateur, et finalement, puisque vous dites, et remobilisation, ça a commencé, je vous dis, à qui c'est 5, au 5 janvier, est-ce que ça veut dire que, mais pas gain, 1er janvier, qui sont fêtes nationales, on a quand même dit on fait l'universel, puisque c'est jour, un jour important, c'est jour de la libération nationale, et sénateur. C'est ça, Mabdoval, on est qui gagne le sens de l'histoire. Ils ont fêté le 1er janvier avec Jovenel. Jovenel, c'est le contraire de, justement de cette histoire. C'est quelqu'un de cette classe moyenne qui, je vous dis, a contribué plus à une classe moyenne de pauvre. Là, Jovenel t'est monté, l'autre gagne 1000 gouttes dans le c'est 17 dollars le dévoré. Je dis à lui, vaut 10 dollars. Le jour où monté, lui-même, en général, niveau de dette que nous avons gagné au niveau de Petro-Caribé, nous avons payé 16 milliards par an. Je dis à, excusez pas moi, je dis à nous payer 22 milliards, c'est 4 milliards qui allaient à des côtes de la goutte. Mais monsieur, augmenter, justement, on a fait, dans la série de faux de faux prêts, qui pas, justement, servi de rien. Le jour où monté, on a une inflation. Qui passe dans le niveau ça, je veux dire, c'est l'allié.
journal a baillé mon crédit, a baillé 50 mon crédit. Mais on se bat ridicule pour le président de la République. Ben, 50 mon crédit, ça c'est l'affaire de Kazek qui était calé même 50 jeunes dans la section pour le crédit. Donc, journal, c'est l'inverse. C'est le contraire. C'est comment dire en anglais, le Daxa ou le pitcher. C'est le revers de la médaille. Et Jovenel. Donc, Jovenel n'a rien à voir avec cette histoire. Et histoire ça, comment on peut accepter à le fêter là avec Jovenel Moïse? Donc, écoute, déjà de par présence, nous voilà pas là. L'année dernière, moi, je dis ça. Moi, je dis président, et que je ne suis pas présent avant, ni dans l'église, ni dehors. Mais je dis à peuple à voir plus loin que ça. Je ne sais pas si je ne suis pas présent. Mais je dis, monsieur, je ne suis pas capable avec elle. Je ne suis pas capable avec elle. Parce que, il est la négation de l'histoire. Mais sénateur là-dessus. Sénateur là-dessus. Moi, je connais que, et ou même son qui, et par rapport à l'expérience dans l'État, ou qu'on ait fait ça, son fait qu'il allait au-delà de Jovenel. Jovenel, son chef l'État, son chef, c'est administration, mais l'État, son entité permanente, son institution permanente. Est-ce que, pour, au nom de l'intérêt général, pour le pays, puisque je vois, c'est très important. Est-ce que nous partageons une formule pour faire payer à l'y fêter, sénateur? Bon, la formule, c'est que si Jovenel démissionne et ça va avant, nous aurons une belle fête de 1er janvier. Ah bon? Ah oui. Écoutez, et pour la réunion de demain, il semblerait que gagnons. On va dire ça devant l'ambassade. Devant l'ambassade, sénateur. Non, est-ce que nous gagnons David Hall, c'est ça? Que nous gagnons qui est rentré. Donc, ou bien calendrier déjà de qui ça va discuter, ou c'est on l'a invité dans le compte ça? Oui, Alternative l'a écrit, je vous le demander, calendrier à haute du jour là, et moi pense que Avril, moi-même, moi toujours pour le compte ça, ma position est claire, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne pensent pas même avec, nous sommes en démocratie, mais moi-même, moi pense que par rapport à notre position géopolitique, États-Unis, faut nous toujours camper pour nous discuter avec elle, pas jamais quitter Champ Libre là, ou que c'est exécutif là. Qui a parlé avec et puis en même temps qui a l'orbi. Donc, les affaires étrangères ont payé 300 000 dollars américains à Mercury. 300 000 dollars pour faire l'orbi. Donc, si vous avez tout comme ça qui a fait l'orbi, et puis nous-mêmes, nous n'avons pas de chance pour nous parler à représentants, puissance à lui-même, pour nous dire ce qui a passé, moi, je pense que c'est fermer aux portes que nous n'avons pas besoin de fermer. Et dans ce sens-là, moi, je pense que le rapport, ça, c'est l'occasion. Alors, on m'a appelé, on a lancé l'invitation. J'ai dit ça à l'alternative, mais j'étais pas là, j'étais au Gonaïve. Sûrement, il faut nous rencontrer plus tard ou demain matin, le matin sous question. Parce que moi-même, je pense que faut nous présents, nous demander au 10 jours la calendrier à faire au Banol. Et même si on n'a pas de Banol, ça nous a pas dit, hein, c'est que depuis l'arrivée de Mme Kraft, que nous débat en position de paper, quand nous t'a dit, mais exactement, et bien situation, et bien pour ça nous va des journées aller. Entre temps, il y a eu les massacres, il y a eu les massacres de Mariani, il y a eu les massacres de Bélerde, il y a les répressions au Gonaïve. Il y a fait que ça te mettait 20 mandats, commissaire Saint-Macla, de 20 militants, hein, pour qui ça? Parce que je dis, nous recevons un citoyen. Nous avons nouvelle infraction, il va aller dans le code pénal là. Salut là, sénateur. Hein? Salut là. Oui, recevoir un citoyen, il y a qui est négocié de se recevoir un aile. Donc, recevoir un citoyen, ça devient une infraction pénale maintenant. Ah, ok. appuyez avec question photo, hein, parce que le théorème est en photo, tu as recevoir, monsieur. Hein? Correspondant, nous t'a dit, nous, commissaire, nous t'a dit dans la conférence de presse, le théorème est en photo, que tu as fait. Bon, écoute, je vais te dire, si je dis à Valouvre, la vie de Monaï, vous avez Monaï, si je vois sous ton cubain, on va aller. Il n'est pas un monde qui invite, moi, je vais te dire. C'est le Anel, je connais Anel, parler avec Anel. J'assume, mais cependant, c'est le Anel Rivé Gonaïve que nous connaissons que Rivé. Et même s'il était Rivé, il était invité. Alors, la responsabilité pénale est personnelle. Mm. Même si il n'a pas de responsabilité, je dis à Anel, c'est lui qui va répondre devant. Comment qu'a fait? Eh bien, mettez mandat des 20 militants Gonaïve, dans le connaître des manifestations. Nous voyons ici, nous voyons Boy, bon, nous connaissons pas faire. Je connais Gonaïve là, en général, nous dit, et que, côté nous sortir, à côté nous pour aller à nos bagarres, au monde que nous-mêmes nous te voter et nous te dire nous ça, mais qui mission vous fait. Donc, yo fait que mettez jeudi, hein, nous simplement dit que nous allons reposer même à la semaine, que vous mettez 20 mandats, vous prenez 20 jeunes garçons, et souvent, vous prenez dans Moussa, vous prenez dans AA, vous prenez dans Baléouze, vous prenez dans Amikos, vous prenez exactement toutes les deux, et puis vous prenez dans eux, et puis vous dites que, et puis, et bien, la chose est grave, c'est pour moi dans l'invitation, non? Mm-hmm. C'est pour moi d'amener.
Okay. Mais sénateur, même si nous pouvons gagner les points sur lesquels nous pourrons discuter avec Évangile qui a venu, diplomate qui a venu discuter ensemble avec nous, il y a un ami qui dit que dans le menu, gagner la question de la formation d'un nouveau gouvernement, d'un gouvernement d'union nationale. Qui position au même par rapport avec ça? Bon, moi, c'est bon, vaste campagne d'intoxication qui a fait dans ça. Moi, j'ai parlé à un responsable de l'ambassade qui m'a appelé, et ceci depuis mardi, pour me dire qu'il y a une rencontre que je suis invité. Moi, je dis, ce qui s'en va faire en contre, il dit, écoutez, il y a une mission suite à la mission de Mme Kraft qui vient non seulement pour la compréhension de ça nous dire, et en même temps, pour eux-mêmes nous continuer à parler avec eux, parler du tout de gouvernement. Donc, je dis à moi quoi, que entre le responsable officiel qui m'a appelé pour me dire voici l'objectif de la rencontre, et ça a dit dans la rue, moi pas m'occuper parce que faut me dire que le gouvernement est très actif dans ça, pour que laisser faire passer que c'est ça qu'on va le faire. De toute façon, même si c'était ça, à cette question, on répondra par la même chose. L'accord de Mayotte, on a entre-temps évolué avec l'accord. Il y a un juge qui est choisi pour remplacer le président. Il y a un premier ministre qui est choisi pour être nommé pour faire la transition. Donc je crois que au stade que nous sommes, nous évoluons depuis la question de Mme Kraft. Et je dis à nous allons montrer que nous parions pour assumer cette transition. Et nous parions pour l'assumer du point de vue politique. Et on sera prêt aussi parce qu'on a une feuille de route sur la question économique, sur la question sociale, sur la question constitutionnelle et sur la question juridique. Sénateur, et non juge à sénateur Baka Maïskoubla? Alors, on aime les militaires, les disciplinés. Monsieur, pour des raisons sécuritaires, eh bien, on va gagner non. Et je comprends aussi. Parce que, regardez, on est, qui pas aucun poste qu'on va remplir la transition. Mais quand on, qui dit que la transition, depuis que je suis allé, moi, je vais gagner des missions, tout, et m'a replié, n'a fait moins. Bon, déjà, n'est-ce pas, c'est qu'on peut appeler ce qui tourne. Mais, si on est qui va le président même. Mais, sénateur, nous sommes démocrates convaincus, sénateur. Donc, comme on connaît que si, dans la démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Comment voulez-vous que nous choisissions, une commission qui choisit un président pour la population, qui va diriger par la décision pour l'engager l'État, et puis jusqu'à cette présente minute, souverain, il n'est pas comme non président, ça, et sénateur. Bon, alors nous disons pour des questions sécuritaires, mais au moment où on va le rassurer que nous avons baillé avant. Mais pour le moment, écoute, l'alternative, marché contré, forum papaye, le bloc démocratique, l'opposition institutionnelle, nous n'avons pas encore les moyens d'assurer la sécurité de cette personne. Et nous pensons que nous devons prendre les mesures qu'il faut pour le faire, et puis après, on a baillé. Pour le moment, la guerre, on est là, oui, avec Magaïsa. Et puis, la situation que nous y est là, quand on entend, eh bien, on a parlé à financer gang, pour aller voter revolver, pistolet, à tirer pendant qu'il n'y a pas la gang. Donc, on comprend que nous n'avons pas qu'à oser mettre en vie en danger, mais je pense que nous sommes en train de regarder les questions sécuritaires. Et au moment opportun, nous faisons connaître, d'ailleurs, nous n'avons rien à cacher, sans question qui était posée avec les cinq blocs. Il y a des critères bien précis qui étaient posés, et d'après les critères, on est arrivé au choix d'un juge. Mais est-ce que nous pensons avec une échéance, un nombre de temps pour nous travailler quelques groupes de la population, puisque il y a un monde qui a l'élection, à un moment donné, il échoue. Le peuple vient de parler. Maintenant, nous nous choisissons. Et si le peuple n'a pas tavlé, il n'a pas un nombre de temps, si le peuple n'a pas tavlé pour l'apprécier, s'il voulait, ou bien s'il n'a pas tavlé? C'est ça. Écoute, moi, je pense que lors de la transition, les différents dans le mandat. La transition, c'est que tu as un président qui a une feuille de route et qui doit freiner à feuille de route. Là. Je pense que le premier ministre va plutôt être un homme de terrain. On est qui avec le peuple là, qui parle avec elle, qui comprend. Et puis lui-même, à partir de ce moment, moi, je pense que ça, ou qu'il y a des difficultés, parce que le peuple là lui-même, il a besoin quand même au monde qui prêle. Là, nous avons certains problèmes, même pas, nous pas fait ouais, puisque le monde, ça, c'est le monde qui évolue à peuple là chaque jour, qui a toute manifestation avec elle, qui appuie elle, qui soutient elle. Donc, là, ça, moi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Cependant, pour la question du juge, c'est quelqu'un qui aura une mission claire pendant un nombre de temps, et la mission sera, un, le dialogue national, deux, le changement constitutionnel, trois, le lancement des procès Petro-Caribé, massacre La Saline et autres, et puis quatre, justement les élections générales, côté que pour faire un an
pour qu'arriver à adopter la constitution la première année et la deuxième année, ce sont les élections générales. Donc c'est pas un mandat que nous t'ai dit que c'est le juge président qui va le déterminer pour Gramley. Ou bien un mandat déterminé justement par l'opposition qui lui-même aura une mission. Et donc, à partir de ce moment, l'IPAP, on bagaille, que nous avons dit, qui c'est au monde qui a cherché une légitimité populaire, c'est au monde que nous cherchons à travers une légalité institutionnelle pour que nous fassions assumer mission ça. Mais, sénateur, est-ce que, par exemple, question transition avec, puisque vous enfin, m'avez posé une question parce que c'est un homme qui est mieux placé pour éclairer l'antenne, non, est-ce que implicitement ou bien indirectement, pas une forme de travail qui a fait pour faire peuple habitué, plus ou bien sent-il à l'aise dans la transition, et pour peuple pas à l'aise pour respecter le principe démocratique qui aurait joué là, dans la question d'aller dans l'élection, remporter l'élection, comme si pour nous venir plus à l'aise pour quatre électorales qui sont dans le monde, c'est fusillé, nous sommes fort avec ce qui est là, le monde a voté, puis pour nous dit que, bon, là, on fait un choix. Est-ce que nos femmes Jean-Baye ou aller là, nous ne pas sentir plus à l'aise toujours dans la transition que dans la question élection? Très bien. Moi, je pense que c'est une question extrêmement importante. Les questions, ça, c'est pas comme si moi, j'étais cadio, les poser quand chaque passé qu'on arrive là, il y a des milliers, 30 000, 50 000 monde dans la rue, et puis vous répondez. La question posée est extrêmement importante, puisque ça arrive quand vous avez mon Dieu Massoliel, cette transition qui n'en finit pas. Nous arrivons, pour nous entrer dans la ligne démocratique là, eh bien, nous toujours, il y a des présidents qui ont des réflexes, soit des réflexes anarchiques, soit des réflexes dictatoriaux, qui semblaient soit avec Duvalier, ou bien qui lui-même l'a gué dans le chemin, eh bien, nous t'a dit en question anarchique. Et entre l'anarchie et la dictature, ce sont deux mots, c'est la peste et le choléra. Parce que c'est yon, il faut nous retrouver dans la démocratie. Et le président, il vient de des réflexes, comme ça, il vient de nos peuples qui, encore, il y a les séquelles de la dictature, qui lui-même dit, pas d'accord à ça. Parce que je vous dis, moi, bataille, parents, bataille, génération avant bataille pour m'accepter. Donc, nous nous retrouvons un carrefour extrêmement difficile. Et je crois que, dans un moment, et c'est peut-être ça, moi, qui dis à un certain moment, il faut regarder toute la politique. C'est vrai que la droite, en général, avec Duvalier et les CM droite, a sorti de la dictature, n'a pas su protéger les droits civils et politiques, et n'a pas apporté grand-chose. Mais il y a même de la gauche, qui lui-même, une fois retrouvé les droits civils et politiques, n'a jamais suggéré les droits civils et économiques. Donc, ce bon côté que nous vivons, nous devons poser peut-être nos questions pour ce pays. Il faut avoir cette entente pour que nous ne pas dire que, eh bien, on se balance de la droite vers la gauche. Et cette entente, c'est qu'on doit l'accepter. Moi-même, au départ, je ne suis pas tellement d'accord à la question de conférence nationale là. Même fini par, ouais, je dis à Fogoshi, attendez, pour nous attendre son minimum. Sinon, on va se balancer de transition en transition. Et justement, n'a évité pour nous que bon état qui est stable, politique, qui a mené vers le développement. Et là, sans ça, moins pensé. Allô? Oui, c'est la base. Oui, continue. Moins pensé qu'il est important entre nous qui nous dit, en nous franchit, attendez. Parce que cette situation n'est pas bonne. Et vivre constamment en marge d'une transition, avec l'idée d'une transition, n'est pas bon parce que. On a raté des mandats, par exemple le président de Jovenel qui va dans 5 ans devoir avoir un mandat et qui dit ma électricité, ma protection pour l'assiette, le nous ne nous pas faire. Ce sont des retards qui, dans le sens historique, mettent nous en derrière par rapport à tout le peuple dans la zone. Et on ne peut pas évoluer comme ça. Et c'est pour ça que moi-même, je fais un effort comme élément du centre droit pour me dire, écoutez, aujourd'hui, on doit s'asseoir. On doit s'asseoir entre nous, avec les éléments de la gauche, avec les éléments qui pensent différemment, pour nous dire, voici le minimum à adopter. Et un gouvernement, quelle que soit la ligne qu'il a gagné, mais il connaît que le minimum, ça a faut le faire, pour que, eh bien, pacte social qui signe entre le peuple-là et représentant ça, et dirigeant là, pour que le minimum, ça a respecté, et qu'on puisse atteindre les élections. Je veux dire, à une rupture qui fait entre population et dirigeants, et à chaque fois, on retrouve dans la bataille que même étrangers avec une certaine fatigue d'Haïti. Et nous comprenons que notre situation, ça n'a pas qu'à arrêter tout le temps pour que c'est nous qui problème là. Et c'est peut-être ça
Moi, je dis le mandat 6 ans. Et moi, élu premier sénateur, d'ailleurs, la loi dit, l'article 53, il dit sous élu premier sénateur, eh bien, dans l'élection 2015, moi, je dois finir la 6e année du mandat. Mais je dis à me parler pour me quitter. Parce que moi, je pense que le pays a besoin plus que ça. Et que le système que nous y a, malgré les efforts d'un ou de plusieurs, nous pas qu'à arriver franchir cap là. Et en termes militaires, cap ça a eu le casom. C'est le côté avancé de la zone de bataille. Nous pas qu'à arriver dans le côté avancé de la zone du développement. Oui, mais sénateur, la bataille en tant qu'ancien militaire, et on est qui toujours des principaux, un auditeur qui se fait remarquer, il dit que l'hypoblut cap fait là, pour bataille, d'ailleurs, il sous-béton la bataille. Mais il sentit. Bon côté mouvement arrivé là, l'allongeant cassé. Et dans la déclaration là, vous parlez de l'international est fatigué. Moun qui n'a pouvoir, qui a fait résistance, fatigué. Moun qui n'a opposition, fatigué. Donc, en plus, moun qui n'a bataille, fatigué. Si vous avez défini une stratégie, une nouvelle stratégie de bataille dans la fin d'année là, est-ce que selon vous-même, une stratégie que, qui t'a dû définir, hein, ou senti, peuple haïtien paré, puisque déjà le Bouddhaï vous dit que le lancé jusqu'à 5 janvier, mais est-ce qu'on sentit dans un moment ça là même que peuple haïtien paré pour continuer à faire bataille là, pour mettre président Jovenel Moïse à terre, pour quitter le pouvoir, pour démissionner, ou bien vous pensez que fin d'année, hein, t'as dû gagner yon, parce que je crois que dans toute bataille, je ne sais pas qui l'engage à utiliser, mais qu'on a un moment que l'on a attaqué ou attaqué, puis. Replier pour redéfinir stratégie bon par contre ou bien qu'on est jargon hein? Est-ce que vous pas senti dans fin d'année ça là peut-être t'as qu'à gombaire comme ça replier ou penser alors pour avancer on sort de grand pile monde qui est le trêve au trêve alors ok guide deux bagages que nous parlons j'ai parlé de la fatigue haïtienne au niveau des transitions c'est pas de ça m'a parlé là qu'on est ah, mais pas de ça qu'on est là la bataille là pas de ça. J'ai parlé de fatigue haïtienne au niveau justement de transition politique. Mmh. Bah, au niveau de cette bataille pour la démission du président Jovenel Moïse. Et moi, je dis que fatigue, ça, que vous parlez dans certains auteurs américains et français, je dis à nous dire, d'après les autres, par la conférence nationale. Mmh. Et c'est pour ça, nous d'accord, peut-être à ça, M. Tutouni, nous dit, que c'est la dernière transition. Donc, moi, je pensais que si je dis, nous étions dans le conservatisme président Jovenel là, n'a pas gagné plusieurs transitions après. Parce que ce qui va arriver, c'est que l'apmené nous nos élections, vous y videz que vous n'avez pas d'accord, et immédiatement le président sera contesté. Alors que si aujourd'hui à nous accepter faire cette dernière transition pour nous faire une conférence nationale, moi je crois que on est beaucoup plus sur la route du changement. Et là, ça, la question que vous avez posée est claire, vous avez dit nous la question de transition. Moi, j'ai fait une analyse en profondeur avant, pour me dire que la question de transition sera résolu par cette question de conférence nationale pour que nous mettions d'accord sur un minimum. C'est sur ça que nous rejoignons d'accord avec. Ça c'est un. Deuxièmement, pour résoudre, pour arriver à la conférence, on doit retenir le combat. Je vous dis que le peuple a gagné, on a certaines fatigues, nous sommes au mois de décembre, rappelez. Nous déconnons, président Duvalier, au mois de décembre. Eh bien, nous avons sacrifié à Nissa nos batailles l'aller en février. La même chose pour le président Aristide. Bataille était faite, nous faisons l'aller au mois de février. D'ailleurs, si on prend en sorte de comparaison, après qu'il le président va aller en Haïti, qui moi y aller. Donc, dans ce sens, nous avons toujours comment gérer fin d'année, même là, on a bataille. Nous avons une bataille avec Duvalier, on a bataille avec Aristide, et on a géré justement moyen pour arriver dans des ports là, dans le mois de février. Donc, moi-même, je pense que bataille, ça. Ah non, il n'y a pas à sortir de là. On maintient notre bataille et on doit arriver à cette conférence nationale justement pour éviter cette transition qui n'en finisse pas et pour arriver à un minimum d'attente sur la gestion politique, économique et sociale de ce pays. Mais écoutez, sénateur Latondu, dans même bataille ça, puisque vous supposez que monde qui est en face en dadi pouvoir, lui-même la bataille tout, et il y a plusieurs monde zone pouvoir qui a essayé déjà senti que président Jovenel Moïse dans la bataille, il peut aller essayer de mettre d'eau quelques mounatés. Par exemple, Chambasse peut aller. Et il semblerait que je me tendais beaucoup de deux
tiers qui peut aller, bien que vous-même vous disiez un tiers, mais vous parlez de deux tiers. Ça veut dire déjà, dans la bataille, c'est comme si le président Jovenel Moïse peut commencer à mettre d'eau quelques mouns à terre à travers le deuxième lundi mois janvier. Écoutez, moun ki ka étonné de ça, c'est moun ki pa konn droit, c'est moun ki pa konn fonctionnement au système. Je dis à Malet, dans l'élection, c'est une loi électorale, la loi de 2015, c'est loi qui fixe mandat moun ka dans l'élection. Eh bien, moi, j'ai une loi qui est dans l'article 50.3 qui dit, non, en élection qu'on va le faire là, s'il fait pour deux ou trois sièges dans le département, moun qui fait plus voix, l'a prêté serment le deuxième lundi de la prochaine année, soit 2016, et mandat l'a fini le deuxième lundi de la sixième année. Alors, parce que le président Jovenel, au-dessus des lois, que le cas arrive, il fait lui. Alors, je dis à vous penser que si on m'a dit, il viole la loi, eh bien, il rentre dans la dictature. Eh bien, là, ça, bon, l'autre bataille qu'a fait. Parce que c'est pas bataille, ça, parce que là, ça, mon là, il rentre, il va essayer de loyer, mais regardez les lois. Peut-être que moun qui pas connaît l'article 50.3 de la loi électorale de 2015, si on va te connaître, nous disons, mais écoutez, j'ai même pas à parler de ça, parce que la loi est claire, limpide, la loi dit exactement et définit le mandat de ces sénateurs, et moi-même, même pas que vous me connaissez sur ça, ni rentrer dans le laboratoire, président Jovenel, BHK, KBCI, et vous y monter. Non, il y a une loi électorale, et cette loi, on doit la respecter. Sénateur Latoche, je vais me poser une dernière question, ça, pour moi-même, demain, vous pouvez aller dans la rencontre comme représentant AAA ou représentant opposition? Écoutez, je suis invité comme le sénateur et le coordonnateur de AAA. Mais écoutez, pour principe, moi soumettre ça avec Alternative là. Et dans une réunion, Alternative là, dans une réunion, il dit qu'avec nous, on l'a pu demander, eh bien, calendrier du jour. Moi, je pense que l'autre là allait. Et une fois que nous avons l'ordre du jour, nous allons défendre exactement les points. Il dit à Blanc, Gélanger, que, écoutez, tout est venu, tout est bonne position. Revenu, entre temps, voici ce qui a été fait comme répression. Et, mais comment pays nous a géré par rapport à Sandy Doula? Parce que justement, on va jouer l'appui et lui penser les libres. Pour mettre mandat des mondes, pour le verser dans l'illégalité, pour le faire des massacres, et également pour que les mènes pays à nos fiascos économiques. L'Etlan, nous avons déjà répondu déjà? Vous avez répondu ça? Hein? Est-ce que l'ambassade de l'Etlan répond alternativement déjà? Non, je ne suis pas là, je suis dans ma ville natale. Moi, je pense que le contact sera fait avec les autres, parce que quand même, ça a été une manifestation très longue, beaucoup de gens, il faut que tout le monde qui était là, nous assurer que nous faisons route là en bonne et due forme. Et je pense que plus tard, on a fait contact. Et je pense que dès que nous connaissons, nous-mêmes l'avons formé. Mais moi-même, ma position, c'est qu'il ne faut pas fermer cette porte. Parce que je dis, l'opposition déjà dit qu'il va faire dialogue avec Jovenel parce que justement, il est indiqué par la justice, il s'est un bluffeur amateur. Mais nous dit que je dis, nous ouvrons dialogue là à toute l'autre partie de l'opposition, même à des partis qui ont même idée avec nous, et également international là, parce que nous montrer que nous pas des intransigeants, nous pas des extrémistes, nous sommes des gens qui voulaient parler, mais pendant la parler, nous continuons de parler. D'accord. Mais on va parler demain, dans un compte avec David. Écoutez, je dois de toute façon coordonner avec l'alternative. Je suis un parti politique, je fais partie d'un groupe, et cette discipline et de groupe, mais pour justement à entrer en ligne avec l'alternative, pour qu'on ait et qui réponse que par rapport à l'ETLI, pour nous définir ensemble l'IGNO avant qu'on aille, parce que dès que comme parti politique, on entre dans l'autre groupement, je crois que on doit suivre les règles, c'est ce qu'on appelle la discipline de parti et de groupement. Oui, bon, de toute manière, bon, ça va finir bien, non, parce que on va coordonner avec l'alternative là. Pour coordonner, je te dis que je dis à mon gros groupe, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a 35 000 personnes qui sont dans la rue, sont pas terrible, et que vous devez organiser logistique, administration et tout. Cependant, moi, je pense que le contact sera fait, et nous avons défini position dans la réunion alternative là, qui était faite dans Delma 64 là. Mais je crois que moi-même, je défini position, mais deux conseils avec l'alternative que va agir. Nous avons dit une dernière question aux auditeurs, nous ne pouvons pas parler encore. Est-ce que nous pas craignons pour que ça fait troisième ou quatrième rencontre avec des étrangers,
mais jusqu'à présent, chita avec président républicain, toujours pas possible. Mais si tu as 6 rencontres encore, est-ce que nous pas craignons, on regarde bien, non, restant qu'à venir aussi, on fait environ 5 mois, étrangers venir nous chita avec eux, nous pas jamais décider chita, et président pas aller. Nous pas craignons pour nous perdre une cote de popularité, non? Écoutez, moi pense que le guet de gens pour prendre pouvoir. Se choisir faire la révolution qu'après les armes. Et sous les armes, ou qu'à aller directement rentrer dans le palais, ou occuper et ou chercher le président qui l'a. Moi, j'ai méthode ça, elle va appropriée qu'on est à nous choisir pour que, justement, nous chasser du pouvoir le président, mais par la voie démocratique, le peuple après la rue, il m'a dit le démissionne. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que, il y a d'accord dans la constitution qu'un président qui a démissionné. Cependant, dans ce sens-là, moi, je crois que, nous-mêmes, justement, dès que nous choisissons ça, faut que nous d'accord que il y a plusieurs rencontres internationales, il y a plusieurs rencontres pour faire au niveau national. Moi, je dis non, la gueule. Le président Jovenel mettait 600 000 dollars américains dans le lobby pour le dévier question de la saline, pour expliquer à l'autre Jamaï Blanc, pour faire des rencontres dans la Maison Blanche, côté que pour la baille Mati, pour penser que c'est facile, c'est du premier coup. Que eh bien, cette grande puissance américaine va comprendre l'opposition. Non, au contraire, l'autre jour, là, nous arrivons dans la rencontre de Mme Kafla. Moi, je crois que tu as gagné en compréhension erronée de la situation haïtienne. Et cette compréhension erronée, ça, qui t'est fait que, eh bien, moi, je crois que Mme Kafla est étonnée. Elle te dit, nous avons l'autre mission. Donc, dans ce temps-là, il faut aussi être patient. Mais simplement, il faut avoir un couloir de communication très ouvert avec le peuple. Côté, l'on va le rencontrer avant ou dire, mais si on va le dire, l'on se fait encore ou expliquer, parce qu'il ne faut pas laisser créer la confusion au niveau du laboratoire de l'ennemi. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que dans la situation, ça, nous, on a toujours dit que nous faisons plusieurs rencontres, mais dans la situation que nous y a, côté exécutif, la mettre en pile contre nous pour faire lobby, pour essayer d'écraser, pour essayer de dévier bagaille. Je parle de bagaille. Dans le massacre à Saline, le président, le ministre des Affaires étrangères, a écrit le département d'État. Il a dit que on prend toute la disposition pour résoudre la question ça, bah, là, devant la justice et que le monde qui doit punir a puni. Oui. Alors que là, ça, il a même prendre disposition pour évoquer monsieur le délégué et directeur général à l'intérieur dans la poste. Donc, il y a une équipe volumétrique, c'est tombé mal tombé sous l'être là, comme ça. Et puis, moi, Gauchit, bon, comme d'habitude, encore lui-même, lui-même, on l'a menti, oui. Donc, ça veut dire que, il y a un collaboratoire que vous payez avec un haïtien, pour vous payez menti sous un haïtien. Donc, je dis à l'opposition de comprendre que, premièrement, il va gagner une capacité, ça, pour que lui-même lui paye. Deuxièmement, le fait que, eh bien, bon deal qui était fait entre Donald Trump et le président Jovenel sur la question de Venezuela, la question devient plus difficile. Il faut comprendre l'aspect géodiplomatique là, pour que nous-mêmes, nous connaissions exactement qui ça pour nous faire. Nous devons nous dédoubler en deux, pour que nous mieux expliquions les questions, pour qu'à travers nos mémoires, nos position papers, nous expliquions les positions, que la rencontre qui va avoir lieu au Congrès pour auditionner certains responsables haïtiens, moi parce que c'est correct. Hein? Mais, cependant, et pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir que les bagailles ont changé. À moins que les États-Unis aient d'autres intérêts. Nous, on est qu'en Irak, côté où il y a d'autres intérêts, côté que l'hyper influence Iran en Irak, il a vu le peuple là, il félicite le peuple là, et le peuple là, j'ai demandé le ministre. Mais je veux dire, en Haïti, côté que c'est avec le président Laboulé, eh bien, il n'a pas vu le peuple là, il n'a pas aidé, eh bien, au contraire, on a essayé de faire nous bouer la gueule là, pour dire qu'on doit accepter un gouvernement de position. Nous, en Bolivie, quand il n'y a pas de vrai président de gauche là, eh bien, lié des peuples là, il félicite l'armée, parce que l'armée va le président en pression pour l'aller. Donc, les intérêts, les peuples, les pays n'ont que les intérêts. Et je dis, afin de comprendre que l'intérêt américain. Allô? 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 Sénateur, allô? Il semblerait que le sénateur a passé puisque nous était sous route. L'assemblée l'a passé en côté, que nous pas vraiment arrivé tant d'elle. Donc malheureusement, bien que l'heure s'en est arrivée et tout. Donc
l'heure censée arriver, vérifiez pour moi de Gaulle. Si, si c'est lui-même qui nous sonnez, vous faites conclusion. Allô? Allô, sénateur? Oui. Oui, sénateur. En tout fait, conclusion, moi, l'heure arrivée sous nous, malheureusement, la communication a été mal passée. Non, c'est ça. La conclusion, c'est que les pays n'ont que des intérêts. Et je pense que nous devons comprendre l'intérêt des États-Unis pour le moment. Cependant, comme l'Amérique est un peuple moral, nous avons montré que même si on a un intérêt là, eh bien, pour question de moralité, pour question de massacre, de corruption, je pense qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. Et c'est à partir de ce moment que nous avons arrivé à changer cette opinion et forcer le président à adopter le président Trump à avoir une autre attitude. Bien, merci en pile, mesdames et messieurs. Donc, nous t'avons suivi.